Allez, stop, moi je rentre. Bon, ça va, j'arrête. Déjà? Ouais, parce qu'en fait, Alice, elle travaille pas aujourd'hui. Donc je vais passer la journée avec elle. Bon, ben, on se voit bientôt quand même. Oui, comme tu veux, bah samedi à 11h, ça te va? Ah, 11h, ça me va. Génial. Super. Ok, super. Allez, salut, Ted. Et embrasse Alice de ma part. Ok, ouais. Attendez. Salut. Salut. Oui, bah, tu sais, tu peux rester chez nous, hein. Bien sûr, enfin, c'est normal. De toute façon, tu restes autant que tu veux, hein. Ah. Bah, avec tes parents et tout, je comprends, c'est pas simple. Merci, Alice. Mais non, mais c'est normal. Bonjour. Vous êtes qui? Bonjour, Aitel. Moi, c'est Charlène, une amie d'Alice. Mon chéri, tu te souviens pas, je t'en ai parlé, c'est une amie. Ah non, pas du tout. C'est pas grave, Aitel. Ça arrive d'oublier. Tu sais... Je sais quoi? Tu crois que je perds la mémoire ou quoi? Non. Je n'ai pas dit ça. Eh ben, ne dis rien, c'est mieux. Hein. Charlène va rester 2 jours chez nous. Ah bon, pourquoi? Elle a pas un appartement, elle? Bon, sois gentil, mon chéri. Elle s'est disputée avec ses parents, donc bon, bah, c'est un peu compliqué, donc je lui ai proposé de rester ici. En tout cas, ça me fait très plaisir d'être avec vous. Eh ben, ça se voit vachement, hein. En plus, aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Parce que j'ai eu mon permis, donc je suis trop contente. Alors j'imagine quand t'es pas joyeuse. T'es sûre que t'es contente? Oui. Mais ça veut dire quoi, ça, Aitel? Bah, tu vois bien que tu le saurais jamais, alors comment tu veux que je sache, moi, si elle est contente ou pas? Ça me fait plaisir. C'est juste que je ne l'exprime pas. Mais oui, elle est comme ça, Charlène. Elle montre pas ses émotions, c'est tout. Eh ben, bon, ok. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? T'as quel âge, en fait? Eh oh, t'as quel âge? Elle a quoi, elle? Elle est en mode frigide ou quoi? Non, mais en fait, quand elle pose une question et qu'on lui répond pas, bah, elle reste bloquée comme ça. Ah bon? Oui. Et c'était quoi sa question? Depuis combien de temps on est ensemble? Ça fait 4 ans. Tu vois bien que ça marche pas! Tu crois qu'elle est morte? Non, c'est. Mais c'est parce qu'elle t'a posé la question à toi, donc c'est à toi de lui répondre. Ah oui? Oui. Bon, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Super. Contente pour vous. Moi, j'ai 21 ans. Eh ben, de toute façon, j'avais déjà oublié la question, alors. Je t'ai vu dans un film l'autre jour. J'ai adoré. Ouais, bah merci. Hein. Mais en fait, il s'est passé quoi avec tes parents? Rien. Ma mère voulait que j'aille faire des courses et j'avais pas envie. Donc on s'est disputé et je me suis barrée. Et tu fais la gueule juste pour les courses? Mais oui. Bah oui, attends, c'est grave quand même. Bah y a rien de grave, là. Elle a pas fait les courses, elle a pas fait les courses. J'en sais rien, moi, tant pis. Ah, c'est moi qui gagne encore. T'as de la chance. C'est toujours comme ça avec lui. Il gagne toujours. Allez, une dernière partie et après, j'y vais au lit, hein. Ok. Tiens. Oh, mince. Sinon, Alice, vous partez souvent en vacances ensemble? À toi de jouer, Charlène. Charlène, à toi de jouer. Voilà. Mais putain, elle commence à faire chier, celle-là! Réponds-lui, parce que franchement, elle commence à me saouler, là. Mais quoi? Enfin, c'était quoi la question? Elle demande si on part souvent en vacances tous les deux. Ah! Bah non, Charlène, en fait, moi je voyage beaucoup hein, pour mon travail. Mais alors, Aitel aussi, là, ses tournages, donc bah, on n'a pas vraiment le temps. Ah d'accord. C'est dommage. Ouais, c'est vrai. Bon, à moi de jouer. Bon, ça va, hey, tu m'as gonflé. Allez, moi je vais dormir. Hein. Tiens. Attends, tu vas où? Comment ça, je vais où? Je vais dormir. Ah, non, 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 mais toi tu dors sur le canapé ce soir, chérie. Moi, je dors avec Charlène. Bah non, je vais pas dormir sur le canapé, quand même, oh. Tu vas pas laisser notre invité dormir sur le canapé, non? Mais vous me faites chier, toutes les deux, là, oh. Bon, allez, Charlène, viens, on va dormir. Bonne nuit, Aitel. Ouais, c'est ça, allez, hop, bonne nuit. Tu veux une couverture, mon chéri? Bah non, je veux pas de couverture, allez, hop. Ça me fait chier. Bonjour mon chéri, ça va, t'as bien dormi? Bah non, j'ai mal dormi, j'ai mal au dos à cause de vous là. Oh, arrête de faire tes caprices. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, allez, écoute,
Moi, je vais sortir. Allez, allez, couche. Ah, quel bel après-midi quand même. Ça fait du bien. Ah ouais, ouais. Franchement, je suis content. Ouais. Mais bon, je suis un peu saoulé aujourd'hui. Mais qu'est-ce que t'as? Ben c'est Alice, là. Elle me fait chier. Elle a une copine qui dort à la maison. Pourquoi elle dort chez vous? Parce que madame, elle s'est disputée avec ses parents. Donc moi, je dors sur le canapé. Vu qu'Alice, elle dort avec elle dans la chambre. Non mais vire-la. Elle se prend pour qui, celle-là? Ah, tu penses que je dois la virer? Mais absolument. Dégage-la même. T'as raison. Je vais la mettre à la porte. Et tout de suite, d'ailleurs. Bon, j'y vais. Hein. Allez, à plus tard. Bonne chance. Bon, ta copine, là, faut la mettre à la porte. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est bon, elle me saoule. Allez, hop. Oh, mais t'es jamais content, de toute façon. Moi, je suis jamais content. Oui, t'es jamais content, rien dit pas, de toute façon. Je peux partir, ça dérange. Parce que tu m'énerves, toi. Mais oui, tu m'énerves, de toute façon, t'es qu'un bébé. Moi, mais oui, c'est ça, ouais. Je voulais, t'es un gros bébé. Mais oh, pareil, quoi. Je vais partir, alors ça sert à rien de vous disputer. Oh, ta gueule, toi, hein. Allez, au revoir. Toi aussi, tout d'ailleurs. Allez, reviens, attends, là, je vais le virer. C'est pas vrai. T'as une cabale, là, quoi. Montre-nous comment tu le vires. Je vais partir, alors ça sert à rien. Ta gueule, toi! Excuse-moi, alors, comment on va faire?